La ceiba pentadra, un arbre centenaire de 70 mètres, un symbole historique en Sierra Leone, a été détruit par une tempête de vent et de pluie dans la capitale Freetown. C'est un jour très triste dans l'histoire de la Sierra Leone, mais il y a quelque chose que nous pourrions retirer de cette histoire. Assurons-nous que les racines ou une partie du tronc qui est encore intacte soit préservée. Selon la légende, les esclaves qui ont gagné leur liberté en combattant du côté britannique lors de la guerre d'indépendance américaine ont prié sous l'arbre à leur arrivée en Afrique de l'Ouest. C'est un moment historique car le cotonnier existe depuis plus de 200 ans et hier nous avons vécu la fin de ce symbole merveilleux et historique. Je me suis senti si bien quand j'ai entendu la nouvelle du cotonnier car il a toujours été un symbole représentant la Sierra Leone, mais à ma connaissance cela a été une représentation négative. Il a toujours représenté notre passé pire notre esclavage, mais je crois que ce cotonnier qui est tombé hier, slavery. But I believe by this cotton tree falling out yesterday, it's like Sierra Leone has been redeemed. It has been delivered. Surnommé par les Sierra Leonais le cotonnier, l'arbre qui, selon certains habitants, avait plus de 400 ans, ornait les billets de banque et les timbres.